je retiens de Guethounam Bernard que c'est une personne humble et surtout une personne de consensus. Parce que, ayant milité ensemble au FPI, c'est une personne modérée qui, à chaque fois, recherchait le consensus, recherchait l'accord du grand nombre. J'ai même une anecdote à raconter. Au moment où le FPI était en train de subir une scission concernant Affin Guessant, le président Laurent Gbagbo, nous qui étions l'aile dure du FPI, et lui, du côté d'Affin Guessant, il a toujours voulu concilier les points de vue. Il s'est toujours engagé à nous rassembler pour qu'ensemble, nous puissions continuer le chemin ensemble. Aujourd'hui, je lui donne raison. Je lui donne raison. Malheureusement, il est parti trop tôt. Il ne verra pas cette union. Mais nous retenons encore de lui quelqu'un de profondément consensuel et surtout quelqu'un de visionnaire. Au revoir, Gubernat. Vient de perdre un grand homme, un homme de valeur, un homme sage. Et donc nous pleurons aujourd'hui notre grand frère. Moi, je pleure mon grand frère Guétounam, celui avec qui on a parlé de politique, qui nous a conseillé, qui nous a accompagnés sur le plan politique, avec qui nous avons mené des actions sur le terrain. Aujourd'hui, un homme modéré, un homme de paix, un homme conciliant, un homme toujours avec le sourire, l'homme qui encaisse tout, toujours avec un sourire. Aujourd'hui, tu nous quittes. Tu nous quittes. Nous sommes peinés. Je suis peiné, grand frère. Repose en paix. Repose en paix, mon grand frère, et tout le monde. L'homme sage. Repose. Habitant de Liège. Frère Bernard, nous nous connaissons depuis de longues dates et nous sommes très proches. Nous avons lutté ensemble. Et la dernière fois que je t'ai vu, c'était à Liège où tu es venu aussi aux obsèques de mon cousin Tiekoura Vincent. Nous étions ensemble. Tu es venu, tu m'as vu et tu t'es excusé bon, parce que tu avais une petite réunion ici à Bruxelles. Et après, nous nous sommes téléphonés. Tu m'as parlé de ton petit projet au pays. Tu as eu ta pension. Nous avons passé des années ici. Le temps maintenant de repartir encore chez nous pour profiter du petit moment qui nous reste. Et là, tu me fais une grosse surprise. Tu me fais une grosse surprise.
Nous ne savons pas le plan de Dieu. Mais à croire que Dieu prendra toujours le meilleur, il prendra toujours les personnes qui ont vraiment la main sur le cœur. Mais ce que je peux te dire, nous restons dans la lutte que tu nous as laissée, que ton âme repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais, parce que tu es un monsieur très merveilleux. Voilà tout ce que je peux te dire. Que Dieu te place auprès de lui. Merci. Merci. Bernard, je voulais te remercier et te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Je voulais juste te dire que la petite fille qu'on avait chassée du quartier, la petite fille qui n'avait plus rien, qui est partie trop jeune, enceinte, grâce à toi, je me suis battue. Je suis devenue quelqu'un aujourd'hui, grâce à tes conseils, grâce au fait que tu m'as dit « Thérèse n'abandonne jamais ». Grâce à toi, Bernard, merci. Je suis devenue quelqu'un. Je suis devenue une femme qu'on respecte. Grâce à toi, j'ai réussi aujourd'hui. Et je voudrais te dire aussi que, grâce aux conseils que tu m'as donnés, je suis retournée dans la politique. J'ai pu mener à bien le combat que tu m'as demandé. Et grâce à toi, ma fille aussi a réussi. Merci beaucoup pour tes conseils, Bernard. On dit que on ne meurt jamais, mais sache que tu t'es effacée. Je ne t'oublierai pas. Merci pour tes conseils. Merci beaucoup.
cher Douin, de Bernard, je voudrais en cet instant de tristesse pour notre communauté, me souvenir de toi en tant qu'homme d'ouverture et de dialogue, mais surtout quelqu'un avec une humilité extrême. Nous autres, vous appelons souvent grand frère, mais en réalité, vous êtes nos papas. Et j'aimerais ici rendre témoignage des actes d'humilité que vous avez eu à poser à notre endroit. Personnellement, j'ai été en service à Abidjan pendant un moment au sein du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, où j'occupais donc la fonction de sous-directeur. Et le doyen Gueux Bernard, chaque fois qu'il a été à Abidjan, a humblement pris du temps pour me rendre visite en tant que petit frère. Et également, chaque fois qu'il a eu l'occasion d'avoir une initiative au niveau de Bruxelles, que ce soit une initiative politique ou communautaire, il a pris le temps de nous associer, de nous appeler. Cela encore dénote de l'humilité et de la grandeur d'esprit du doyen Gueux Bernard. Nous qui sommes donc vos enfants, nous voudrons retenir de vous cet esprit d'ouverture et d'humilité et continuer donc à marcher dans les sillons que vous avez tracés pour continuer à faire de notre communauté ce modèle de cohésion et d'entente qui finalement est devenu un label pour la communauté ivoirienne de Benelux. Je voudrais donc, au nom de tout le mouvement, de la coordination des mouvements et clubs de soutien au RHDP dans le Benelux, m'incliner en cet instant devant ta mémoire et prier le Seigneur pour qu'il puisse t'accueillir auprès de lui dans son paradis Firdaus. Thank you.
chers compatriotes, Doingueux. Il est vraiment difficile pour nous de parler de ta personne. Ton départ est brusque, je dirais brutal pour nous tous. Nous avons communiqué, cela fait 2 semaines, où tu me demandais si Issa, qui est passé, le représentant de AFI à Paris, qui est venu passer une nuit chez moi, tu me demandais si je le connaissais. Tu ne savais pas que je le connaissais. Je t'ai dit oui, je le connaissais. Et nous avons échangé. Tu m'as demandé, il fallait qu'on se retrouve pour parler de l'actualité politique du pays que tu aimais tant. Et je t'ai dit que l'invitation à vous faire avec ton frère Assé François que tu as abandonné, Doin, que cette invitation, je vous la réitérais. J'avais demandé que si le Covid arrivait à passer, j'aurais souhaité vous recevoir, toi et le doyen Assé, ton frère, ton camarade, ton ami de tous les temps, à la maison pour manger. Malheureusement, je ne savais pas que c'était la dernière communication que nous étions en train de mener. Doyen, tu m'as demandé un service que je n'ai pas pu, pas que je ne le voulais pas. Je pense qu'il était, on était au mois de mars ou avril de l'année passée. Quand tu me confiais, petit frère, je pense que je vais rentrer au pays. Je pense que Afi aura besoin de moi sur le plan national. Et je souhaiterais que tu me trouves un jeune dynamique comme toi pour me relayer au niveau du FPI. J'ai plaisanté en te disant, Doyen, tu connais bien la jeunesse. Si c'est la politique, via les réseaux sociaux, il y en a. Mais pour l'action sur le terrain, il est difficile d'en trouver. Mais je me suis quand même mis à la tâche. Malheureusement, les personnes que j'ai contactées pendant 3 mois m'ont fait de fausses promesses. Je suis donc revenu vers toi pour te dire, Doyen, la mission que tu m'as confiée, je n'ai pas pu l'accomplir parce que je n'ai pas trouvé de personnes volontaires pour te remplacer à la tête du FPI ici avant que tu ne rentres sur Abidjan. Pour tes qualités, par moments, on entend parler que quand la personne n'est plus, c'est là qu'on parle de ses qualités. Tes qualités, tout le monde est unanime dans cette salle pour ceux qui te connaissent, que tes qualités étaient nombreuses. Incommensurable. Tu restes pour nous le doyen qui est au-dessus de tout clivage politique, de toute considération ethnique, religieuse. Toute fois qu'on avait besoin de toi, tu étais. À toutes les occasions heureuses et malheureuses de notre communauté ivoirienne ici en Belgique, tu étais. C'est ensemble, doyen, que nous avons essayer d'interpeller la jeunesse, d'interpeller nos compatriotes pour dire que nous, diaspora, nous devons prendre notre place. Notre place est laquelle? C'est d'aider nos compatriotes à désarmer le verbe, d'aider nos compatriotes à désarmer le cœur. Le pays va mal, on le sait. Mais nous qui sommes à l'extérieur, Doyen, toi et moi, on a toujours échangé là-dessus. On avait une vision convergente sur cette question que nous devrions demander aux uns et aux autres, surtout à la jeunesse, que nous, en tant que diaspora, nous devrons mériter la place que nos compatriotes nous donnent au pays. C'est à quoi qu'ils nous surestiment, on a souvent dit, toi et moi. Les plateformes, Doyen, elles étaient devenues indigestes, on en a parlé. Le président de la communauté est témoin. Ton départ, pour nous autres, franchement, Doyen, on ne dirait pas que c'est une trahison, parce que c'est involontaire, je le sais, mais pour nous, elle est douloureuse. On sait que toute séparation est douloureuse. Mais pour nous, on pensait pouvoir rester encore de tes côtés, t'avoir avec nous, bénéficier de tes conseils,
Même si tu devais retourner sur Abidjan, tel était ton rêve. Je pense que ici, nous autres, au niveau de la Belgique, on aurait toujours besoin de toi. Mais bon, la situation étant telle, on ne peut que te souhaiter un bon voyage. Repose en paix et que la tête soit légère. Courage à tout le monde. Courage à ta famille biologique. Courage aux camarades du FPI que tu as aussi abandonnés. Et courage à nous tous qui bénéficions à tout moment de tes bons conseils, de tes douces paroles. Et que la communauté soit encore renforcée. Qu'on se souvienne de toi, qu'on se souvienne de tes conseils. Qu'on arrive à trouver en tes conseils des arguments, des ressources pour pouvoir te rendre honneur en désarmant le verbe. Adieu, Douane. Merci à toi. Comme beaucoup de gens ont témoigné ici, Bernard, c'était un grand frère, simplement. On sait tout ce qu'il a représenté pour chacun. Et ici, j'ai un texte qui rentre vraiment dans les conditions qu'il aimait bien parce qu'il m'a toujours soutenu. Hein, quand je joue, je suis comédienne, donc... lui et François, ce sont les seuls qui me soutiennent vraiment dans ce que j'évoque ici. Donc voilà, je trouve que ce texte, il rentre dans le cadre et il aurait voulu que je le dise. Donc c'est un texte qui s'appelle « Les souffles de nos ancêtres » de Bigaro Diop, qui est un excellent texte qui a été écrit depuis les années 60. Et qu'on dit qu'il est vraiment récurrent. Donc j'espère que tu m'écoutes parce que de toute façon, tu es là. Physiquement, on ne te verra plus, mais je sais que tu es là. Donc je suis sûre que tu m'écoutes aussi. Tu m'as toujours soutenu. Aujourd'hui, tu ne vas pas me laisser tomber. Voilà. Le souffle des ancêtres. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis.
Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le puissant semble. C'est le souffle des ancêtres. Le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit. Ils sont dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans le rocher qui geint. Ils sont dans l'herbe qui pleure. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson sanglot. C'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le pacte, le grand pacte qui lie à la loi notre sort, aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le lourd pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes des souffles qui se meurent dans le lit et sur les rives du fleuve. Des souffles qui se meurent dans le rocher qui geint et dans l'herbe qui pleure. Des souffles qui se meurent, des souffles qui demeurent dans l'ombre qui s'éclaire ou s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, et dans l'eau qui coule, et dans l'eau qui dort. Des souffles plus forts qui ont pris. Le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont pas sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres.
chères sœurs, chers frères, je voudrais faire un petit témoignage au nom de la communauté ivoirienne de Belgique, en particulier au Benelux, et à mon nom propre. À mon nom propre, parce que Gué Bernard, je l'ai connu en 1995, en Belgique, on dit 1995. Lui et moi, nous avons parcouru Bruxelles. Il a été le président de la communauté ici en Belgique de 1984 à 1996. C'est quelqu'un qui était très proche de moi. Nous avons milité, nous avons fait un combat. Il a été presque, si je peux appeler ça, mon tuteur, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné d'énormes conseils, qui m'a orienté, qui m'a guidé, qui m'a aidé dans tous mes combats ici en Belgique. Je vis en Belgique il y a 27 ans. Il ne m'a pas quitté d'un pouce, Gué Bernard. Je suis revenu des vacances il y a à peine un mois. Gué Bernard et moi, nous nous sommes appelés. On s'est confié, comme d'habitude, nos secrets, nos peines, nos malheurs, nos difficultés, ici en Belgique qu'en Côte d'Ivoire. Malheureusement, à ma grande surprise, le président Diaby m'appelle à 21h pour dire « Monsieur Dakoury, la nouvelle est très mauvaise. » Je dis « Mais c'est quelle nouvelle ?» Il dit « Mon ami et frère, que Bernard serait décédé chez lui à domicile, et que cela fait à peu près 2 jours de cela qu'il est mort seul chez lui à domicile. » Je me suis effondré. Parce que Bernard connaît très bien ma famille. Ma femme m'a dit que Bernard appelait ici tous les jours pour voir si je vais bien, si tes enfants vont bien. C'est quelqu'un de cœur. Il m'a laissé seul. Je suis désolé. Que Bernard, il a un cœur. C'est un frère. C'est un ami. Il n'oublie pas quelqu'un. Il n'offense pas quelqu'un. Il n'est pas coléreux. Il me connaît des caractères. Et quand il y a la vérité, je lui dis. Et quand il y a la vérité, il me dit. Il ne me cache rien. Je suis très touché parce que Bernard, ma femme connaît que Bernard. Elle était très étonnée. Elle est belge d'origine. Cette femme était étonnée du décès de Bernard en me disant, est-ce qu'il était malade? Il m'appelait ici pour savoir comment tu vas d'abord en Côte d'Ivoire, comment vont tes enfants, moi-même, est-ce que je vais bien? C'est ça qu'on dit un ami. C'est ça qu'on dit un parent. Je ne sais pas comment je peux accepter la mort de Gué Bernard, qui s'est produit complètement dans une situation néfaste. La mort, elle est très, très, très produite, très mal. Vraiment très mal. Je ne sais où mettre ma tête. Je voudrais remercier la communauté ivoirienne, de près ou de loin. Les sœurs, les frères qui ont côtoyé Gué Bernard, les frères, les sœurs, de loin ou de près, qui ont communié ensemble avec Gué Bernard, je leur dis merci. Au nom de la communauté ivoirienne, au nom de la diaspora, au nom de notre unité ici en Belgique, je remercie tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, et que Dieu accompagne Gué Bernard. Adieu, Bernard. Je vous remercie. Thank you.
Je suis Koulibaly Ibrahima. Je suis arrivé ici, ça fait près de 30 ans. Et j'ai connu Guy Bernard. Guy Bernard était vraiment un frère. Personne ne peut dire que Guy Bernard m'a fait ceci, Guy Bernard m'a fait cela. Il venait à l'ambassade, on se chahutait et on plaisantait. Et sa disparition aujourd'hui, c'est très 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 dur pour nous tous. Surtout pour moi personnellement, quand il venait à l'ambassade, je sais ce qu'on se disait, comment on se taquinait. Mais personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Et ce que je peux dire aujourd'hui, et au nom de toute la communauté musulmane et à mon nom propre, on prie Allah qu'il le garde dans sa miséricorde, que Dieu ait pitié de lui. Et que nous qui sommes restés ici, que nous ayons le courage, la force de supporter cette disparition. Je veux dire à sa famille biologique, vraiment, Yako, ait le courage. Ce n'est pas facile, la disparition d'un être aussi cher. Mais personne ne peut aller contre la volonté de Dieu. Qu'Allah le protège et qu'il le garde longtemps. Et dans sa miséricorde, et que nous qui sommes restés après lui, qu'il nous donne longue vie et santé, qu'on puisse penser à lui. Je vous remercie. Chers frères, chers sœurs, bonsoir. Guy Bernard était un grand frère. Si j'ai bonne mémoire, il est arrivé 5 ans après moi ici en Belgique. J'étais à l'époque très jeune. Et souvent, les week-ends, on se croisait au foyer ivoirien, qui se trouvait à la rue Les Broussards à l'époque. Il était de la génération de mon grand cousin. Et une fois, il me dit, petit frère, tu t'appelles comment? Je dis, je m'appelle Mathieu Kofi. Et je dis, grand frère, vous vous appelez comment? Je m'appelle Guy Bernard. Alors je lui dis, écoute, moi, je préfère qu'on m'appelle Kofi. Je préfère le nom africain. Donc si tu me permets, je t'appellerai Guy. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Les années passèrent, je crois 3 ou 4 ans après. Il me dit, ça ne t'intéressera pas de faire de la politique? Je suis du FPI. Alors je lui ai répondu, la politique, un, je suis apolitique. Le second tour, je suis pour le bien des peuples. J'ai grandi ici en Belgique. Je m'intéresse également à la politique ivoirienne, mais je suis sans parti politique. Uniquement à partir du moment où le peuple a de quoi manger, en est soin et santé, je suis content. Puis une quinzaine d'années après, on se croise à une des fêtes du CPF de Saint-Gilles. Et à l'époque, je travaillais là comme infirmier en chef. Et je vois Guy, je dis, ah, tu travailles également à Saint-Gilles? Je dis, oui, je fais partie du conseil communal de Saint-Gilles. Et j'ai adhéré au PS. Je dis, mais c'est une très bonne nouvelle. D'où on sera, disons, pour le même employeur et qu'on travaillera à peu près dans la même zone, dans la même sphère. Et de temps en temps, les années passèrent, on se croisait dans les cafés ivoiriens, en particulier la famille Do, Élise et Baudouin. Et Georgette, on se croisait là, on prenait un petit pot, on mangeait également un petit bout. Et il y a 2 mois, on se croise à la porte de Namur. J'allais chercher un ballotin de praline pour l'un de mes patients à domicile. Et je vois que Bernard, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oui, il veut prendre aussi des pralines. Je lui dis, dans ce cas, on dans le magasin. Il entre dans le magasin, je le suis. Il prend 200 grammes de praline. Moi, je prends un ballotin. Avant de sortir du magasin, il me dit, écoute, Kofi, prends quelques pralines. Je lui dis, mais non, ça va. Il dit, non, prends, je te dis de prendre. Je prends une praline, il dit, prends qu'une deuxième. Je prends 2 pralines et je mange. Alors, je lui dis, écoute, moi, d'ici 2 semaines, je vais faire un tour au pays, je vais faire un mois.
Il me dit, mais avec le Covid-19, tu penses que tu pourras aller? Je dis, oui, sûrement, je mets tout dans la main de Dieu, dans la main d'Allah, je partirai. Mais quand tu pars au pays, que tu reviens, tu me raconteras un peu qu'est-ce qui s'est passé. Alors je pars au pays, je fais un mois, je reviens, 2 semaines, j'apprends par les réseaux sociaux qu'il est décédé, je dis, c'est pas vrai. Non, c'est une blague, c'est pas vrai, quoi. Je lui avais promis que j'allais lui raconter ce que j'ai vu au pays et tout. Et encore pour l'anecdote, je lui ai dit que le FPI, c'est un bon parti, les autres partis aussi sont bons, mais moi seulement je suis apolitique. Je préfère qu'on reste cordial. Et puis c'était un grand frère qui donnait de très bons conseils. C'est quelqu'un qui était bien, qui était vrai. Et comme on dit la plupart de nos frères et sœurs ivoiriens, c'est quelqu'un qui était au-dessus. Il n'a pas d'histoire avec quelqu'un, il donne plutôt les conseils, s'il peut t'aider, il t'aide. Et c'était quelqu'un de bien. Et comme on dit, il laissera une grande place au niveau de la communauté ici, ivoirienne, africaine, ainsi que les autres amis et collègues belges avec qui il a travaillé. Et pour moi, bon, il restera le grand frère, comme on dit, et quelqu'un de bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je m'appelle Gabriel Kokora. Je suis arrivé en Belgique à la fin de l'année 2003. Et suite à la réponse à un article sur Internet concernant le FPI, j'avais lu un article, je venais d'arriver et puis voilà, j'ai répondu à cet article. Et suite à ça, le grand frère Bernard m'a contacté. Et je ne connaissais pas encore bien la ville et tout. Il a dit, si tu peux me voir, voilà, j'habite Saint-Gilles et tout. Et puis, je suis rentré en contact avec lui. Je crois que c'est en 2003. Je ne vais pas donc m'étaler sur beaucoup de choses. Je voudrais ici dire combien de fois le grand frère Bernard m'a porté dans son cœur. Il a suivi tout mon parcours ici. Quand je suis arrivé, je me suis marié, j'ai fait des enfants. Il est au courant de tout. Et chaque fois, il m'appelait. Il ne m'a jamais appelé comme ça par mon nom. Il m'a toujours dit, camarade, camarade Kokora. J'ai dit, alors camarade Gueux. Et on rigolait. Je crois que la dernière fois où je l'ai eu, il n'y a pas trop longtemps, il a dit, écoute, j'aurais besoin que tes enfants ils passent me voir. J'ai dit, ok, ben là, mes enfants sont les tiens, il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit aux enfants, voilà, le grand frère voulait vous voir et tout. Et puis, voilà, chaque fois, il m'appelait pour prendre mes nouvelles. Alors, camarade Kokora, comment tu vas? J'ai dit, grand frère, je suis là, je vais bien. Il dit, oui, mais toi, tu nous as laissé à Bruxelles, maintenant tu es à Malines et tout. Il dit, oui, grand frère, c'est la vie. Hein. Maintenant, j'ai une grande famille, et ce n'est pas évident à Bruxelles, donc je suis parti un peu à Malines. Mais n'empêche que chaque fois, il m'appelait, ou soit je l'appelais, et je prenais de ses nouvelles. Donc, franchement, c'est il y a quelques jours de cela, j'étais couché très tard dans la nuit. Mon épouse me réveille, Roselyne, et me dit, est-ce que tu as vu ce qui est écrit sur Internet? J'ai dit, pardon, oui, mais ils ont laissé un message qui n'est pas trop bien. J'ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe, au fait? Elle me dit, le grand frère Bernard est décédé. J'ai dit, c'est pas possible. Il ne peut pas être décédé comme ça. Qu'est-ce qu'il a eu? Dans la même nuit, je ne pouvais plus m'endormir. Il fallait que je parle à quelqu'un. Alors j'ai essayé de joindre le grand frère Assur. Je n'ai pas pu avec le numéro que j'avais.
Mon épouse a dit, mais il est ami avec moi, donc je vais essayer aussi. J'ai dit, il faut essayer. Il faut essayer de joindre quelqu'un parce qu'on ne peut pas dormir avec cette nouvelle-là. Alors, peut-être minuit, 1h du matin, elle a essayé de joindre le grand frère Assu. Il a confirmé la nouvelle. Je suis très triste. Je suis vraiment très triste. Je connaissais ma femme. Il appelait toujours ma femme. Camarade Roselyne, ça va? Oui, ça va, et les enfants? Franchement, il laissait un grand vide. Il laissait un grand vide. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, je voudrais ici saluer tous ceux qui sont présents. Il est de notre devoir de rendre un hommage vraiment mérité au grand frère Bernard. Il avait chaque fois un mot pour tout un chacun. C'est le monsieur qui allait au-delà de la politique. Il donne des petits conseils, mais je sais pas. Franchement, les mots me manquent. Les mots me manquent. Mais je suis sûr que là où il est, Dieu va l'accueillir auprès de lui. C'est trop sympa, trop gentil. C'est trop difficile. Franchement, il m'a vu, il a vu tout mon parcours ici. Donc je tenais à vous remercier tous pour tout ce qui est venu pour lui rendre un hommage. Grand frère, là où tu es, veille sur nous. Que Dieu t'accueille auprès de lui. Tout ce que je vais dire, je vous remercie tous d'être là. Merci beaucoup. Personne qui est devant nous là aujourd'hui qui ne bouge pas, ce qu'il a été pour tout le monde. Donc, c'est pas facile, on sait, mais si vous voulez lui rendre un dernier hommage, on peut passer avec le micro. Merci beaucoup, merci en tout cas. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas le moment, mais c'est difficile de prendre le micro. Comme vous le saviez, c'est très, très difficile. Mais je prends quand même le micro pour dire merci au tonton Bernard, à tonton Bernard. Merci parce que le dernier appel que j'ai eu de lui, c'est-à-dire un jeudi, il m'a appelé. Nous avons discuté pendant plus d'une heure et demie. Et le jeudi d'après, j'apprenais son décès. La première personne que j'ai appelée, d'abord c'est Manou qui m'a appelée, parce qu'il a l'habitude de s'appeler avec Manou. Une qui est sa petite sœur ici, parce que bon, ben, Gueux n'a pas d'ethnie au fait. Il est l'ami de tout le monde. Mais quand je dis sa petite sœur, c'est parce qu'elle est Yakuba. Et donc, ils avaient l'habitude de s'appeler tous les jeudis ou tous les vendredis. Et quand il finit de parler avec moi, tout de suite, c'est Manou qui l'appelle. Ou quand il finit avec Manou, il m'appelle. Mais ce jeudi-là, c'est un jeudi. C'est à cause de ce jeudi que je prends le micro, surtout pour dire merci au grand frère Bernard. Pour la considération et le revoir qu'il a voulu me faire. Parce que je n'avais pas compris ça comme ça.
Au départ, il m'engueulait. Ah oui, tu es la petite sœur, je t'appelle, tu ne réponds pas. Ça fait plusieurs appels que je te lance, tu ne prends pas. Mais le seul que j'ai pris, c'est-à-dire le dernier jeudi où j'ai discuté avec lui, j'ai compris que c'était un au revoir. Et il n'a pas manqué de dire qu'il m'appréciait beaucoup ce jour-là, quand il me l'a dit. Et là, je prends le micro pour te dire merci. Merci pour la considération que tu as eue pour moi. Merci beaucoup, grand frère. Manou n'arrête pas de te téléphoner. Jusque-là, même elle sait que tu es couché ici, mais elle n'arrête pas de te téléphoner, croyant que ça va se faire. Ce que l'on appelle le miracle. C'est avec les triples qui balancent ici que je parle de toi. Va en paix. Tu as été toujours un homme sans bruit et tu es parti sans bruit. Vraiment que la paix, l'amour que tu avais pour les gens, le respect que tu avais pour tout le monde, que cela règne au milieu de nous, tes compatriotes, tes petits frères, tes petites sœurs, tes grands frères. Vraiment, tu es un homme de qualité, un grand homme qui part. Et je te remercie pour la considération pour moi surtout. Merci, Toto. Merci. C'est la petite note qui fait que nos funérailles
malgré la tristesse que nous vivons, reste quelque chose pour accompagner nos défunts. Comme je viens de dire dans le texte, nos morts ne sont pas morts. On est des Africains, on sait qu'ils sont parmi nous. Ils sont dans l'eau, ils sont dans les murs, ils sont dans les cases. Il est avec nous. Bernard, on ne va pas le voir physiquement, mais il est avec nous. Et je tiens à te dire merci parce que tu nous accompagnes très bien cet après-midi. Merci beaucoup. Voilà, on va laisser la parole à Magloire. Merci à tous pour ce sacrifice de temps que vous avez consacré à la cérémonie d'hommage à la mémoire de Bernard, mon grand frère. J'aimerais, si cela n'était pas trop demandé à tonton Asseu, de venir peut-être à côté de moi pour qu'ensemble, au nom de la famille Gueux, nous puissions dire merci à tous nos frères et sœurs, à tous les amis et camarades de Bernard, à tous mes amis et frères qui ont effectué le déplacement ce jour. Ah, merci, tonton. Merci infiniment. Moi, cette année, Magloire Gueï, je suis l'un des derniers petits frères de Bernard. En fait, Bernard me considérait comme fils. Et je dirais que je fais partie de ceux qui ont donné à Bernard de sacrifier pratiquement sa vie. Il a consacré toute sa vie pour nous, puisqu'il était ici, et nous de l'autre côté. Bernard, son salaire était le nôtre, puisqu'il partageait, puisque moi j'étais avec mes autres frères à l'école et à l'université après. Et on était des boursiers de Bernard pratiquement. Il était le coach parfait. Vous allez voir que moi, Magloire, j'ai réalisé que Bernard est vraiment décédé 15 minutes après que je sois sorti de l'avion. Parce que généralement, quand je voyage vers l'Europe, il me dit à tout moment, tu es arrivé, est-ce que tu n'as pas oublié ton passeport, est-ce que si, est-ce que ça. C'est quand je suis arrivé le vendredi dernier, et 15 minutes après, je ne vois pas mon téléphone sonner, ou alors je ne vois pas de message de la part de Bernard, que j'ai réalisé qu'il est décédé. Donc, je ne suis pas surpris de tous ces jolis et beaux mots que j'ai entendus, qui sont des mots vrais et réels. Bernard fut pour nous tous ici un ami, un frère, un papa, un grand frère, un coach. Donc à tous, au nom de la famille, nous disons Yako. En fait, Yako chez nous, ça veut dire mes condoléances, beaucoup de courage. Bernard n'est pas mort. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, j'ai écouté attentivement le pasteur qui a donné le mot de bienvenue ici. Tu n'étais pas encore là, tu t'es à ton rendez-vous. Le pasteur disait l'être humain a trois dimensions. Les trois dimensions sont les suivantes. Nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Pour nous qui sommes croyants, qui croyons en Dieu, s'il y a des gens qui jusqu'à ce jour ne croyaient pas encore en Dieu malgré la COVID-19, nous savons que la partie corps est restée sur la terre, elle est gaspillée. L'âme retourne à Dieu. Et l'esprit est le réservoir de volonté entre l'âme et l'esprit. Moi, je crois en Dieu.
Et je pense que beaucoup parmi nous ici croient en Dieu. Bernard n'est pas mort. Son esprit retourne à Dieu, son âme retourne à Dieu. Et c'est ce que nous devons retenir. Nous avons une pensée, nous avons une mémoire. Et chaque chose pour moi commence par l'aspect spirituel. Nous sommes dans un bâtiment mortuaire qui nous abrite, qui abrite aussi des corps sans vie, ici, que certains appellent maison funéraire. Mais ici, avant de concevoir cette maison, l'architecte qui l'a conçue a d'abord pensé au plan. A pensé au concept même. Et le concept se fait dans l'esprit. Mais ça veut dire que tout commence par l'esprit. Ça veut dire que Bernard n'est pas mort. Et aujourd'hui, tous ces témoignages que j'entends de Bernard, ça c'est notre famille, ça. Moi j'ai 44 ans, je suis, lui il en a 66. Donc je suis comme son fils. Et tous on est comme ça. On est au-dessus de tout ce qui divise. On est au-dessus des clivages politiques. On est au-dessus des clivages religieux. Nous prenons l'être humain à la dimension donnée par Dieu. Et donc Bernard est avec vous. Et Bernard vous laisse un modèle. Moi, j'ai parcouru presque tous les grands pays de l'Europe où nous avons une forte concentration des Ivoiriens. J'ai été en Allemagne, j'ai été ici en Belgique pas plusieurs fois, puisque professionnellement, je travaille pour des compagnies belges en Afrique. J'ai été en France, j'ai été en Italie, partout. Mais le modèle que j'ai vu, le modèle de cohésion sociale que j'ai vu ici entre vous, mais ce modèle-là, c'est un modèle à multiplier, à copier dans toutes les villes, dans tous les pays de la diaspora où nous avons une forte concentration des Ivoiriens. Parce que la politique devait être à ce soir. La politique devait être à ce soir. La politique ne devait pas être dans nos vies de tous les jours. Vrai que la politique est, si vous voulez, indispensable. Mais la politique devait être une source de cohésion, d'unité. Et je pense que c'est ce message fort-là que Bernard Pamavoie vous laisse aujourd'hui. Un Ivoirien est un Ivoirien, comme autant de Fouboigny. Après, le bonheur appartient à chacun. Mais la communauté ne doit pas vivre la division parce que il y a un côté gauche, parce qu'il y a un côté droit, parce qu'il y a un côté bas, parce qu'il y a un côté en hauteur. Non. Moi qui vous parle, je suis député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis également conseiller régional de l'une des deux plus grandes régions de Côte d'Ivoire. Pas conseiller nommé, mais conseiller par la proportionnelle, puisque j'étais candidat aux élections du conseil régional, dans une circonscription de 12 députés. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas de limite. À l'Assemblée, vous allez voir tous les députés, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, viennent me voir. Magloire, voilà ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est comme cela que nous devons vivre. Quand quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il y a un de ses collaborateurs qui l'a dit, que Bernard voulait rentrer, il voulait qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Mais ça veut dire que nous tous, nous vivons ici. Notre raison est ici, peut-être, parce que nous travaillons ici, ou parce que nous répondons à des questions assez propres à l'Europe. Mais notre cœur devait être en Afrique. Mais si notre cœur y est, et que nous savons que nous sommes, nous inspirons la génération de là-bas. Pourquoi est-ce que les gens meurent dans la Méditerranée et tout? Parce que ici, même sans savoir tous les détails, ils se disent que vous êtes le meilleur modèle. Donc je souhaiterais que ces modèles d'ici, nous puissions les exporter chez nous, afin que demain ou après-demain, nous puissions vivre une vie paisible comme ici, une vie organisée et réglementaire comme ici. Et c'est à cela que je vous exhorte, vous les amis de Bernard. Parce que c'est ce que Bernard m'a toujours dit. Bernard a voulu et a choisi de s'investir dans les vies
et non dans les effets spectaculaires. Je dirais que, puisque je crois en la nature, je me dis, comme c'est un monsieur discret, il n'a certainement pas voulu que ses funérailles soient des moments qui laissent des frasques. Et c'est pour cela qu'il a voulu partir là où la Covid bat son plein en Europe, là où nous avons des rumeurs qui ne nous tiennent pas forcément sur les pieds en Afrique. Vous voyez ce qui se passe au Nigeria. Je comprends. Je comprends et je crois que vous comprenez. Au nom de la famille Gueux, au nom de tous les amis de Bernard, au nom de ses amis fidèles, parce que vous savez que même la paire de fesses qui va dans le pantalon, il y a une limite, c'est pour ça que le pantalon a des limites. Donc même quand on a eu les meilleurs amis, il y a toujours des proches, tels que le doyen Asseu, qui était pratiquement son binôme, Grégoire, Victorien, Marina, Michael, et j'en passe. En leur nom, au nom de notre famille et à mon nom personnel, je souhaiterais vous dire une seule chose. Unissons-nous. Chaque chose a son temps. La conquête du pouvoir a son temps. Le développement qui est une affaire de tous à son temps. La vie en privé à son temps. La vie en public à son temps. La vie de l'être humain où il respire la pleine forme à son temps. La vie, la mort aussi à son temps. Et donc pour ça, il faut que nous puissions faire la part des choses et qu'ensemble nous fassions pression sur ceux qui n'ont pas encore compris, afin que la vie sous nos tropiques soit vraiment comme celle d'ici. Sur ce, je vous dis grand merci et que l'union qui est inspirée par Bena et les autres, Diaby est où? Il n'est pas là? Il est pour le vécu, c'est ça. Et que cette union-là demeure, qu'elle soit pérennisée ici, à Bruxelles, je vais te parler de la Belgique, qui est une ville stratégique pour l'Europe, je veux parler de l'Union européenne et tout, et que ça puisse déborder de sorte à ce que ça affecte hein, les autres zones, et que la Côte d'Ivoire soit rayonnée comme il se doit, comme autant de football. Je vous remercie. Merci. De vous désinfecter la main, s'il vous plaît. À l'entrée, il y a un verre en désinfectant.